Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est review au programme de votre vidéo, et en ce jour, on va parler ensemble d'une console qu'on a assez peu abordée sur la chaîne. Puisqu'en effet, il n'y a pas si longtemps que ça, toujours dans l'onglet communauté de la chaîne, j'ai encore fait un sondage, comme d'habitude. Là-dedans, je vous avais demandé, ça va être quoi la prochaine review, sur quel support. Là-dedans, il y avait de la DS, il y avait de la Wii, il y avait de la 64, il y avait de la Switch, et de l'Xbox 360. Parce que bah voilà, pourquoi pas. Pendant très longtemps, pour la blague, je pense que beaucoup ont voté pour la 360. Parce que bah encore une fois, c'est cocasse de mettre que des Nintendo et d'un coup pouf de la Xbox. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est la Nintendo 64 qui a gagné avec 38%. Et aujourd'hui, bah ouais, j'ai très peu parlé de 64 sur la chaîne. Il y a quelques jeux comme ça qui me font plaisir. J'ai hésité à faire soit un énorme classique, genre un Pokémon Snap, ou faire une curiosité comme Holy Magic Century. Mais bon, bah j'ai mélangé connu et pas connu. J'ai cherché un petit jeu sympathique dans ma ludothèque. Et il y en a un, je me suis dit, bon, ça fait un moment qu'il est là, il est cool. Il est sympa, il n'est pas spécialement connu, et en plus, bah, c'est quand même un héros assez mythique de l'histoire des jeux vidéo. Donc du coup, bon, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, on va parler d'un classique de chez Hudson Soft, le passage à la 3D d'un célèbre héros, et en ce jour, c'est avec immensément de plaisir qu'on va faire la review de Bomberman Hero sur Nintendo 64. Vous êtes prêts? On y va! Et oui, aujourd'hui au programme de votre vidéo, on va effectivement parler ensemble de Bomberman Hero sur Nintendo 64, un jeu que je pense pas spécialement est connu, hein, tant effectivement pas beaucoup de personnes ont joué au Bomberman en 3D, beaucoup plus en 2D ça évidemment, sur la Nintendo et sur la Super Nintendo principalement. C'est un jeu qui était excessivement cool à l'époque, j'ai vu beaucoup de bonnes critiques à son sujet, et les quelques personnes qui s'en souviennent ont en mémoire un jeu qui était plutôt sympathique au niveau du scénario, très très fun au niveau du gameplay, techniquement raisonnable pour la Nintendo 64, avec évidemment un fun qui est assez iconique du plus grand héros de chez Hudson Soft. Alors concrètement, ce fameux Bomberman Hero que je te présente là, eh ben c'est pas un jeu de mon enfance, déjà on va le répéter une nouvelle fois, la 64 je l'avais pas plus jeune, donc du coup bah j'étais team PlayStation, je suis passé à côté de énormément de classiques, du coup bah ouais non c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, je l'avais acheté complètement par hasard dans un cash pour une dizaine d'euros, à l'époque où ça valait rien, là aussi hein, ça date un tout petit peu, mais voilà, il me faisait de l'œil, je me suis dit bah let's go, 10 euros, je vais y jouer. Je l'ai un petit peu pratiqué, je l'avais mis de côté parce que ben voilà, j'avais autre chose à faire à ce moment-là. Puis du coup, ben, je l'ai ressorti là pour les besoins de cette vidéo. Je me suis dit, allez, let's go, on va jusqu'au bout, on va le terminer. C'était fait, c'était long, et vous allez voir que le 100%, c'était une tannée, mais effectivement, on a pris beaucoup de plaisir dessus. C'était vraiment chouette, et on va en faire une sacrée review aujourd'hui, même si dans un premier temps, on va faire une introduction qui va paraître bizarre pour les plus vieux d'entre vous. Parce que, bon, Bomberman, c'est assez vieux. Il y a peut-être des petits jeunes qui regardent cette vidéo, et effectivement, c'est quoi Bomberman à l'origine? Donc, pour ceux qui ont vécu dans une grotte hyper longtemps, ou pour ceux qui, voilà, connaissent un petit peu le jeu vidéo depuis très peu de temps, Bomberman à l'origine, c'est un jeu qui était sorti sur les micro-ordinateurs japonais dans les années 80, et qui était, ma foi, bah, excessivement cool. Alors, le principe, il est bête comme chou, hein, je veux dire, il y a un petit bonhomme qui est dans un labyrinthe, il y a des ennemis, il peut balancer des bombes, ça les tue, on gagne des points, et puis évidemment, faut vider tout le tableau des monstres, et du coup, bah voilà, c'est gagné. Et effectivement, bon, le principe est pas incroyable, mais vrai. Il est hyper basique, et pourtant, bah l'idée est incroyable, elle est hyper fun. C'est vraiment super cool ce qu'ils ont fait avec le personnage, et tu te doutes bien que bon, bah Hudson Soft, ils ont de l'or entre les mains, et ils vont développer la licence sur absolument tous les supports possibles et imaginables. Alors là, comme ça, évidemment, ça va être très compliqué de faire une liste exhaustive de tous les jeux Bomberman sortis à ce jour. Même encore aujourd'hui, il y en a, donc autant te dire que c'est une tannée, mais comme ça de tête, quelques épisodes qui m'ont plu, je pourrais te parler notamment de Bomberman sur Famicom, qui était vraiment classe, vraiment très très bien, c'est un des premiers jeux Bomberman que j'ai joué de ma vie, autant te dire que le principe tout de suite m'a séduit, c'était vraiment fun, c'était vraiment très très bien. La fin était assez ardue parce que bon, c'est le genre de jeu où si tu perds tous tes items, et bah, selon que tu vas galérer comme pas possible, surtout parce que t'as des ennemis qui traversent les murs et ça, c'est vraiment une tannée, donc voilà, c'est très particulier. Ensuite, je pourrais évidemment parler des 5 épisodes, notamment de la Super Famicom, qui était vraiment super classe, qui était vraiment super bien. Il y avait un mode story, notamment sur le 5e épisode, qui était
Waouh, c'était vraiment trop bien, c'était vraiment super cool. Et là-dessus, ouais, le fun était encore mieux que par rapport à la Famicom. Il y avait beaucoup plus de bonus, il y avait vraiment un mode multijoueur qui était vraiment léché. Et là-dessus, c'était vraiment chouette. Puis, allez, enfin, on va peut-être parler de la maison de Bomberman, de la console de chez Hudson Soft. On va parler des épisodes PC Engine. Là aussi, je veux dire, le Bomberman 93, oh, gros classique. Un jeu increvable. Il est toujours aussi bien, il est toujours aussi fun. C'est un jeu que quand tu joues en multijoueur jusqu'à 4, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est cool. Et effectivement, bon, je pense ne pas avoir besoin de te le dire, que c'est une licence qui est hyper classique, qui est hyper bien. J'ai encore plein d'autres épisodes en tête où je pourrais parler évidemment des jeux sur PlayStation, des jeux aussi directement sur la DS que j'ai fait en online, c'était tellement incroyable, mais effectivement, Bomberman, c'est une licence qui est devenue hyper classique très rapidement, c'est devenu hyper culte, tout le monde y a joué, mais bon, on est au beau milieu des années 90, on va dire en 97, on est au 5ème épisode de Super Bomberman sur la Super Famicom, mais, on est au passage de la 3D, il y a pas mal de choses qui se passent. En face, il y a la Saturn, il y a la PlayStation. Et effectivement, il y a la 64 qui est en train d'arriver. Et Hudson Soft, ils veulent pas louper le coche. Ils ont développé déjà un premier épisode pour la Saturn qui s'est très bien vendu. Notamment avec le fameux multitap où tu pouvais jouer jusqu'à 8 joueurs simultanément. Mais derrière, la PlayStation c'est sympa, c'est quand même la console maîtresse, on va dire, de cette époque-là. La 64, ils ont des bonnes relations avec Nintendo, et du coup, ils vont avoir du pain sur la planche pour effectivement faire les premiers épisodes en 3D de Bomberman, avec déjà un premier épisode qui va arriver, donc Bomberman 64 en 97. Le jeu était excessivement cool, il était très sympathique, c'était les balbutiements évidemment du personnage, autant te dire que ça fonctionnait, mais il y avait des trucs un peu branlants et c'était pas forcément fifou de temps en temps, mais tu te doutes bien que ils ont retenu la leçon, ils ont vu ce qui marchait, ce qui était encore à améliorer, et derrière, tu te doutes bien qu'ils vont revoir leur formule pour faire le fameux Bomberman Hero, toujours sur la même console. Un an a passé, ils ont pu faire des belles petites choses avec le personnage, revoir un petit peu la copie, revoir évidemment quelle idée de gameplay on pourrait faire avec le personnage, et le jeu au moment de sa sortie, de ce que j'ai pu comprendre, il a eu une plutôt bonne presse, notamment au Japon, où les joueurs l'ont énormément apprécié, notamment de par sa simplicité et aussi son gameplay qui était accrocheur. Chez nous, c'était un peu plus tiède, parce que encore une fois, Mario 64 était arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, voir un jeu comme ça, c'était pas forcément fifou, mais voilà, les joueurs l'avaient apprécié, c'était vraiment fun, c'était vraiment bien, et effectivement, des années plus tard, ça va te serviteur de faire la review de Bomberman Hero sur la Nintendo 64, un jeu qui m'a plutôt plu aussi, qui était vraiment chouette, qui avait quelques petites choses qui m'ont un peu chagriné, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une pépite, et je pense que petits et grands joueurs, vous allez prendre un énorme plaisir avec ce jeu, qui est vraiment un classique de la Nintendo 64. En quoi me direz-vous ? Justement, c'est maintenant qu'on va arrêter de blablater et de parler ensemble concrètement de qu'est-ce que c'est Bomberman Hero sur la 64. Donc, sorti en exclusivité sur la 64 bits de Nintendo en 1998, Bomberman Hero est, comme vous l'avez aisément compris avec mes paroles, un jeu d'action plateforme que l'on doit à Hudson Soft, qui nous propose ici un scénario plutôt basique en soi. En effet, dans la peau de Bomberman, on va devoir partir à l'aventure parce que il y a des méchants qui ont kidnappé une délicieuse princesse qui s'appelle Milliam. Évidemment, derrière, il se passe des dingueries. Ces méchants, ils veulent tout faire péter, ils veulent devenir le maître de l'univers. Et tu te doutes bien que notre petit héros va se dire « c'est quand même bizarre comme plan » et je vais évidemment essayer de faire en sorte de sauver absolument tout l'univers. Évidemment, il va se passer de nombreuses péripéties, il va avoir des bâtons dans les roues de temps en temps, notre pauvre Bomberman, mais ce dernier, il va devoir balancer des bombes, esquiver absolument tout ce qui passe, défoncer les sbires évidemment de ces terribles méchants qui, effectivement, vont venir nous chercher des noises. C'est donc toute une aventure qu'attendent les plus valeureux des joueurs, qui vont voir de toutes les couleurs durant cette longue épopée, qui va être riche en explosions, en actions, mais aussi en pitrerie. Mais est-ce que Bomberman va réussir à sauver l'univers et surtout la princesse? Ou est-ce que ce dernier va exploser des mains de ces vils brigands? Et seuls les plus curieux d'entre vous vont pouvoir déterminer l'issue de cette histoire qui est banale au possible. Puisqu'en effet, on va pas se mentir que ce brin de scénario que je viens de raconter là, c'est le cliché du jeu d'action plateforme de l'époque, il y a le gentil, il y a la princesse, le monde en détresse, un gars un peu fou allié, et c'est pas fifou, c'est pas incroyable, il est là le scénario, il y a un truc vraiment construit, il y a même des cinématiques et tout, mais le problème c'est que déjà c'est pas très palpitant en soi, plus surtout les cinématiques, franchement faut les voir parce que y en a beaucoup, ça arrive quand il y a un événement assez cocasse entre deux niveaux et tout, mais en fait t'as pas de musique,
t'as pas de voix parlée et t'as juste le bruit du vent, tu lis le truc et puis bah voilà. C'est assez particulier, hein. C'est vraiment, il y a des cinématiques où je me suis dit, mais genre, il y a un gros méchant, il y a un gros machin et tout, juste t'entends le bruit du vent, tu fais, ça manque d'un truc quoi, ça manque de piquant, ça manque d'un machin et tout, alors que pourtant, la bande-son elle déchire, hein. Clairement, la bande-son du jeu elle est incroyable et tout, mais ah, les cinématiques c'est vraiment pas le truc le plus incroyable et vrai, surtout quoi, encore une fois, oh, le scénario est pas intéressant, c'est vraiment cliché, c'est vraiment nul et tout, mais voilà, encore une fois, ils ont essayé de faire avec les moyens du bord, c'est le cliché de l'époque, il y a beaucoup de jeux que j'ai présentés dans l'émission qui étaient comme ça, donc on va pas trop taper dessus, c'était la norme à l'époque, et aujourd'hui, ouais, tu vas beaucoup plus te concentrer sur le gameplay qui est bien plus palpitant en soi. Puisqu'en effet, bah ici, dans la peau de Bomberman, on va devoir traverser les 60 niveaux, si je dis pas de bêtises, dont dispose le jeu. Il y a beaucoup de choses vraiment sympathiques à faire. C'est de l'action plateforme en 3D, et je pense que tu le vois que ouais, le jeu, il est plutôt cool en soi. Il y a pas mal d'ennemis à éliminer, il y a des items typiques de Bomberman à récupérer. Évidemment, il faudra bien maîtriser le personnage qui a une panoplie de coups qui n'est pas des moindres et qui est vraiment très très classe. De temps en temps, il y aura des énigmes, des pièges à foison. Il faudra réfléchir un petit peu à comment bien faire les choses. Et évidemment, le titre, il te propose des boss à la fin de chaque grosse planète qu'on va traverser. Ils seront chiants, ils sont un peu terribles à vaincre, mais une fois que c'est passé, eh ben on va pouvoir accéder à la suite du jeu qui va être tout aussi rocambolesque que ce qu'on vient de faire actuellement. Bref, le gameplay de ce petit Bomberman Hero, eh ben ouais, il est plutôt fun sur le papier. On a évidemment un plaisir qui est incommensurable, c'est plutôt maniable, même si ça glisse un tout petit peu, c'est une question d'habitude avec le trident. Il y a une panoplie de niveaux qui sont très très cool, c'est très varié, mais on va en parler juste après. Il y a vraiment évidemment un fun qui est omniprésent. La difficulté n'est pas spécialement très très haute, sauf si, encore une fois, on va en parler après, mais si vous voulez faire le 100%, ça va être une tannée, mais en vrai, voilà, les niveaux ils se font plutôt facilement. Il y a évidemment plus des continues à l'infini, donc autant te dire que là-dessus, c'est sans aucun problème. Mais oui, effectivement, et vous l'avez entendu là maintenant, le jeu sur le papier il est vraiment fun, il est vraiment cool. Mais quand on le creuse un petit peu, on se rend compte que ce Bomberman Hero, ouais, il propose des choses qui sont vraiment assez particulières, mais ô combien fun en soi. Puisqu'en effet, le jeu, il est plutôt généreux en termes de contenu. On a quand même quasiment, ouais, 60-70 niveaux à parcourir. Et tu te doutes bien que là-dedans, eh ben, on va avoir une très grande variété de gameplay. Puisqu'en effet, notre petit Bomberman, en plus de pouvoir balancer des bombes et avoir une panoplie de coups, eh ben, il va pouvoir avoir quelques petits véhicules, entre de grosses guillemets. Notamment, on aura des niveaux en jet, qui sont, ma foi, très très fun. Ça marche, c'est plutôt cool, même si c'est un peu imprécis de temps en temps. On a aussi le sous-marin, donc une petite hélice qu'on aura notre derrière et du coup on va pouvoir traverser. Là-dessus, ça va bien. C'est plutôt cool, c'est plutôt maniable. On a aussi directement l'hélicoptère qui est peut-être le passage le plus fun. Parce que franchement, ça se manie au doigt et à l'œil, c'est vraiment fun. Surtout que t'as un boss spécialement avec ça et autant te dire que ça, voilà, ça fait le café. Puis enfin, tu as aussi le snowboard et... Ouais, c'est pas Snowboard Kids, c'est pas 1018, non, non, là, c'est Bomberman Hero, c'est très glissant, et bon, voilà, c'est un peu foutraque, c'est pas le truc qui fonctionne le mieux, mais c'est là, c'est présent, ça vient effectivement entrecouper bah, des niveaux qui vont être un peu plus classiques en soi. Encore une fois, c'est un jeu d'action plateforme typique de l'époque. Si vous avez joué notamment à un Gex ou encore, allez, un petit... Je veux pas dire Mario 64, mais un Banjo-Kazooie, tu vas comprendre facilement ce qu'il faut faire. C'est des tout petits niveaux qu'il faut traverser et du coup, bah ouais, ça marche bien, c'est plutôt fun, c'est assez rapide en soi. Il y a des niveaux que tu peux terminer en quelques secondes si t'es vraiment fort, même si, ouais, le jeu t'invite beaucoup à faire le 100% pour avoir la vraie fin, parce que t'as 5 mondes plus un dernier qui est un peu optionnel, même si, ouais, pour faire le 100%, c'est une tannée, parce que t'es obligé de récupérer absolument tout dans le niveau, de tuer tous les ennemis et... Au départ, tu vas dire « Bon, ouais, c'est facile, ça va, c'est tranquille. » Mais une fois que tu passes la deuxième planète, c'est une tannée, c'est dur de ouf et tout. Il y a des passages où tu te dis « Mais putain, le truc, je vais être obligé de refaire au moins 10 fois le niveau parce que bah MDR, t'as loupé un petit joyau qui était caché dans un endroit, mais attention l'endroit, c'est pas l'endroit genre un peu caché. Non, non, là, il faut traverser directement ce qui semble être du décor pour trouver le machin. C'est une tannée. Pour quelqu'un qui est complétionniste comme moi, c'est chiant, c'est tellement chiant, c'est hyper frustrant. Surtout qu'en vrai, le jeu, ça va, il fonctionne bien, c'est vraiment fun. Il y a des trucs qui marchent plutôt bien et c'est même surprenant.
C'est ça le mot moi que j'ai avec ce Bomberman Hero, c'est que au départ je me suis dit, oh, le jeu va être un peu simple, il va avoir rien de spécial, et pourtant au fur et à mesure des niveaux, bah ça reste plaisant, ça reste fun, ça reste très accessible. Alors effectivement, comme d'habitude, il y aura des passages un peu plus durs, hein. Je vais pas te mentir que bon, quand t'es en snow ou quand tu es face à quelques boss, ouais, c'est un peu chiant de recommencer en boucle le même niveau, mais voilà, c'est pas spécialement dur, c'est pas spécialement chiant en soi, même si, ouais, c'est terrible quand même que pour le faire le 100% et pour avoir la vraie fin du jeu, bah t'es obligé de faire effectivement le 100% et c'est une tannée, c'est tellement dur, c'est tellement chaud, surtout que, encore une fois, faut vraiment bien explorer le niveau, quoi. C'est pas le truc, bon voilà, tu as une marge d'erreur. Non, non, là, t'es obligé de tout avoir. C'est vraiment terrible et tout. Mais après, ouais, c'est vraiment fun. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de niveaux, encore une fois. T'as quand même une durée de vie qui est assez conséquente, hein. Je veux dire, pour faire tous les niveaux, j'en ai mis pour presque 1h30, 2h. Donc, c'est pour te dire que, ouais, le jeu, il y a vraiment pas mal de contenu. Et surtout, bah, encore une fois, ouais. Ça fonctionne bien au niveau des niveaux, il y a une grande variété qui n'est pas des moindres, il y a des petits passages qui sont fun et clairement tu le vois que le jeu, bon il a tenté de faire des trucs, Mario 64 est arrivé à vendre forcément, voilà Bomberman il était là un peu le cul entre deux chaises, mais pour un essai par rapport à Bomberman 64 si je le compare avec son aîné, franchement ça va bien, c'est le genre de petit titre, tu vas le passer une après-midi dessus, ça sera plaisant, ça sera fun et ouais je pense que petits et grands joueurs, même si vous n'êtes pas habitué avec la 64, vous allez prendre un certain plaisir avec ce jeu qui reste plutôt fun et avec un certain contenu qui n'est pas des moindres, qui est plutôt honorable comme tout. Bon ben voilà, je pense que tu l'as compris, que le gameplay de ce petit Bomberman Hero, ouais, ça va. Je m'attendais à pire en fait, je m'attendais à un jeu qui soit un peu bancal et tout, et pourtant, fonctionne bien. C'est pas un mauvais jeu de la 64, ça reste jouable, c'est vraiment fun, et surtout que même techniquement, ouais, pour un jeu de la 64 bits de Nintendo, ça reste vraiment plaisant de fou, surtout la bande-son, mais avant ça, on va parler des graphismes comme d'habitude. Ces derniers sont plutôt variés en soi, encore une fois, avec la grande panoplie de niveaux, tu te doutes bien que ouais, on a une multitude de décors qui est vraiment pas mal du tout. On a bien entendu de temps en temps un brouillard de guerre, mais il est assez minime en soi. Les modèles 3D sont plutôt cool, tu reconnais aisément le lore de Bomberman. Bien entendu, les animations sont chouettes, il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a une, encore une fois un petit esprit de Bomberman qui est là avec un truc un peu mystérieux au fur et à mesure des différentes planètes qu'on va traverser. Et les boss, bah ouais, ils sont assez titanesques en soi et clairement, ouais, le jeu, pour un jeu 64, ça reste honorable comme tout. Vraiment, ils ont essayé de faire des choses qui marchent bien pour la 64. Alors ok, c'est pas faramineux, hein. Je veux dire, les niveaux sont assez basiques, sont assez petits. Il y a par moments des niveaux qui sont pas spécialement très très bons en soi. Surtout quand ils mettent du décor, on va dire, un peu en PNG ou en JPEG. Tu vois, le truc, tu fais, ouais, bon, t'aurais pu faire mieux, mais ça va. Ça marche. C'est plutôt fun. C'est plutôt cool et... c'est pas dégueulasse pour un jeu Nintendo 64 et surtout qu'en plus, le tout est accompagné avec une bande son qui est trop bien, qui est littéralement trop bien. Comment vous expliquer? En gros, on est vraiment sur des musiques un peu lo-fi, un peu house. C'est très... En vrai, c'est super particulier à expliquer, mais si vous avez l'occasion d'aller écouter la bande son sur internet, vous allez vous rendre compte que, putain, elle a presque rien à voir avec un jeu Bomberman, c'est ultra chill, c'est ultra bien, ça colle bien aux différents niveaux qu'on va traverser, aux différentes situations, même si effectivement, bon, il n'y a pas de musique durant les cinématiques, c'est peut-être un peu chiant, c'est peut-être un peu vide, il n'y a pas de voix non plus, mais vraiment chaque niveau avait le droit à une petite musique qui collait bien, un petit thème sympathique et oh, c'était plaisant à écouter, c'était tellement bien, c'était surprenant, vraiment la bande-son, elle déchire des mamans, et c'est effectivement bah, un drôle mariage de graphique et sonore, on va pas se mentir. Pour une fois, on est en face d'un jeu qui est ma foi, plutôt joli, on va dire techniquement, ça reste ok tiers pour la Nintendo 64, et à côté, on a une bande-son qui est trop bien, qui est trop chouette, ça vient effectivement ponctuer notre aventure qui va être assez cocasse en soi, et clairement, ouais, je trouve que les petits gars de chez Hudson Soft, ils se sont sortis les doigts du cul, ils ont essayé de faire les choses bien pour la 64, avec les moyens du bord, avec les moyens techniques que proposait Nintendo avec sa console, et là-dessus, ouais, même encore de nos jours, c'est pas un jeu spécialement dégueulasse, ça reste encore très plaisant à regarder directement sur un CRT, et là-dessus, on ne peut que féliciter les petits gars de chez Hudson, qui nous proposent quelque chose qui est vraiment chouette pour de la Nintendo 64. Donc, bravo les gars, vous avez fait des belles choses vraiment plaisantes. Arrivé vers la fin de cette review, au moment de faire le bilan de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que pensez sincèrement de ce petit Bomberman Hero sur la Nintendo 64, si ce n'est que le jeu en soi, ouais, c'est un bon petit jeu de la 64, c'est ok tiers,
c'est pas mal comme tout. On a le droit à des quelques petites qualités qui sont vraiment chouettes, même si... Ah, il y a des petits défauts qui viennent un peu ternir le tableau qui aurait pu être largement plus beau. Déjà, on va le répéter, mais pour faire le 100%, c'est une tannée. Pour avoir la vraie fin, t'es obligé de récupérer tout, de tout tuer, d'explorer le niveau de fond en comble, et ça, clairement, c'est un peu chiant. On pourra dire aussi que bon, de temps en temps, les niveaux sont pas spécialement très travaillés, ça reste assez vide, ça reste assez court à terminer, et clairement, je me souviens de niveaux que j'ai fini en quelques secondes, donc c'est un peu... de la fainéantise de Hudson Soft. Puis allez, je vais pinailler jusqu'au bout en disant que bon, les boss ils auraient pu être un peu plus fun, un peu mieux travaillés. Il y a certains boss, je me souviens, je les ai déglingués en très peu de temps. C'était vraiment, je balançais comme un idiot les bombes, puis voilà, c'était fini, c'était, on plie les gueules et on passe à la suite. Mais effectivement, un petit peu, commence un petit peu à regarder concrètement ce que c'est un combat manéro, et ben on est en face de petites curiosités qui est vraiment sympa pour les Nintendo 64, avec un scénario qui est dans son jus, c'est vraiment incroyable, mais cela c'est présent. Au niveau du gameplay, bah, c'est très original pour l'époque et aussi directement pour le contenu proposé là-dessus. Techniquement, c'est cocasse. On a des graphismes ok tiers pour la 64 avec une bande-son qui est exceptionnelle. L'ambiance de Bomberman est présente, l'univers est totalement respecté, le fun est omniprésent et ouais. On en a pour notre argent. Clairement, si vous payez pour une petite trentaine d'euros, bah ouais, Bomberman Hero, c'est un très bon divertissement pour une après-midi, pour un petit moment fun avec un enfant. Et là, du coup, on dit tiens, on va se faire un jeu sous un cap. Bah ouais, ça fonctionne bien. C'est vraiment cool, même si, encore une fois, j'ai à préciser, c'est pas le jeu psy. Clairement, je me doute qu'il y a des gens qui vont dire oh, il y a largement mieux. Donc, surtout en Bomberman, quasiment la même période. Oui, super Bomberman 5 sur la Super Famicom. Il est déjà un peu plus fun que ça, mais ça reste bien, ça reste correct. C'est un essai en 3D sur la 64, à une époque où justement tous les personnages assez iconiques commençaient à arriver directement sur les 3D. Et bon, bah voilà, je vais prendre un petit peu comme une curiosité vidéoludique, un jeu d'une autre époque et qui reste, ma foi, quand même bien. Ça reste un jeu, quand même en 2024, quand je fais cette vidéo-là, pour de la 64, ça reste cool. C'est vrai que la 64, il y a beaucoup de jeux qui smile, mais lui, ça va. C'est cool, c'est fun, ça reste un petit titre, voilà, qui va faire plaisir à quelques personnes et surtout aux plus curieux qui veulent découvrir, ouais, c'était quoi la quintessence du jeu vidéo sur cette fantastique console qui était la Nintendo 64. Et enfin voilà, c'est donc sur ces belles paroles que se termine cette toute nouvelle review sur la chaîne. Je sais pas beaucoup que celle-ci vous a énormément plu, vous a potentiellement donné envie de sortir la 64 et surtout de jouer à ce petit Bomberman Hero qui est pas spécialement dégueulasse. C'est ok tiers, c'est des petits jeux, c'est sympa, c'est cool et ouais je suis content d'avoir pu avoir cette pièce directement dans ma petite ludothèque 64. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fun que ça quand je l'avais essayé la première fois et du coup bah ouais, je suis conquis, ça reste fun, ça reste bien et... C'est une curiosité à découvrir et évidemment à chérir fortement dans une collection de jeux vidéo. En attendant, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur la chaîne. La semaine prochaine, c'est les 6 ans de la chaîne, sachez-le. Ça fera le 25 mai, ça sera 6 ans que je fais des émissions. Du coup, bah, je sais pas ce qu'on va faire, mais vous inquiétez pas, on va faire un truc cool. Même si, effectivement, les grosses vidéos pour les 6 ans, pour vraiment commémorer, on va dire, 6 ans que je suis là, ça va arriver un peu plus tard parce que bah, ça prend du temps. Il y a 2 vidéos d'un coup à faire et du coup, bah voilà. Vous avez l'habitude, vous avez l'habitude que c'est un peu long, mais ça va être bien, ça va être cool et le contenu va être dantesque. Je sais que notamment, je suis arrivé à la page 20 du deuxième sujet, donc page 20, hein, donc il y aura du contenu, il y aura beaucoup de choses à raconter et ça va être hyper fun. En attendant, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager vidéo, il y a plein de trucs à voir dans les playlists. N'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est aussi là-bas qu'on joue à tous ces jeux fantastiques qui valent le détour. Et pour vous tous, je vous souhaite de passer du bon temps, jouez bien, collectionnez bien, c'était Ozaki, je vous dis à la semaine prochaine, Néostagique.